اللي هي في الحقيقة أول محور يفعل في إطار اتفاقية اللي كتجمع بين جهة دار الأسطات وجهة لي دو فرونس اللي وقعنا عليه منذ سنة. كانت اتفاق آنذاك هو أننا نرتكز على محاور دقيقة ملموسة واللي توجه إلى بعض الأولويات. من هذه الأولويات نختارين الشباب والابتكار والمقاولة. واليوم هاد التظاهرات كتجي تفعيلا لهاد أول لقاء مستحضرين عدة أهداف. طبيعي الحال الشراكة بين الجهتين كامتداد للشراكة بين البلدين، الشراكة كذلك بين الفاعلين الاقتصاديين للجهتين، بحيث أن التظاهرة ديال اليوم كتدار بمشاركة كلوستر معروف معي و سكاب ديجيتال الجهة الفرنسية. والهدف الثاني هو أننا ننفتح على يعني مناطق أخرى وخاصة على أفريقيا. لهذا حاضرة بعنوان بطبيعة الحال هو فيوتشرز إن أفريقيا، وكانت فرصة تكون الباب إلى شركات مبتكرة دي ستارت اب أفريقية إلى جانب مثيلاتها من المغرب ومن Nous avons beaucoup à échanger parce que là, je viens de voir des innovations technologiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture et qui pourraient très très bien être implémentées en Ile-de-France. Et pareil, il y a des start-up franciliennes qui sont ici et qui ont des solutions qui pourraient être transposables à l'Afrique. Et je dois avouer que j'ai été très impressionnée par un certain nombre de start-up, très émue aussi, puisqu'on a une qui a vu le jour à la suite du décès d'une femme enceinte dans un hôpital parce qu'on ne connaissait pas son groupe sanguin. Et donc c'est une start-up qui développe un QR code que tout le monde peut porter au dos de son smartphone pour mettre ses données de santé au cas où arriverait un accident. Il y a des start-up très intéressantes, une autre start-up en matière de formation, une autre pour limiter les pesticides sur les champs. Bref, des innovations très intéressantes pour nous, les acheteurs publics et collectivités, mais aussi pour les grandes entreprises. Et je crois que cet événement permet de donner à voir ces innovations, de donner envie de les acheter aussi, d'investir dans ces startups. Et c'est très important pour nos jeunes qui ont autant de belles idées. L'axe essentiel de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est comment, quel est le rôle du digital. Alors, bien sûr, nous participons à cette, pour représenter le secteur privé, l'entreprise, la grande, la petite, la moyenne, la start-up, et pour pouvoir justement dire comment la digitalisation peut être non seulement des opportunités pour l'entrepreneuriat, mais comment elle peut servir cette digitalisation à l'ensemble, la composante des entreprises, c'est-à-dire dans sa productivité, son accès au marché, sa compétitivité de façon générale, et puis fondamentalement la formation autour de la digitalisation. Parce qu'un pays, une économie digitale est une économie où le savoir à travers le mécanisme de digital est important. Nous avons tenu plusieurs travaux, et puis la recommandation est d'abord d'avoir une administration très digitalisée pour pouvoir faire simplifier la vie aux citoyens et à l'entreprise, avoir des process très courts grâce à la digitalisation, pouvoir suivre sa commande, son autorisation dans toutes les régions du Maroc à travers une administration plus digitalisée et bien évidemment identifier quelques pôles d'excellence à travers de nouveaux métiers dédiés au digital.